Prochaine étape. Retour sur Zepho, hein? L'Empire a peut-être trouvé un tombeau Zepho. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ouais, dommage. Un des gars de Zepho m'a parlé d'un match en jeu. Je me serais bien fait quelques crédits en plus. Des paris? Grise, réfléchis un peu. Un de ces jours, la nuée d'action va te tomber dessus. Ah, c'est naze! Je les verrai venir même à trois par sec. Tes paris, du coup, nous ont déjà causé suffisamment de problèmes avec des criminels sanguinaires. Je sais, t'as raison, t'inquiète. J'ai juste besoin d'évacuer la pression de temps en temps, tu vois? De toute façon, c'est du passé, tout ça. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. On est arrivé. Attache-toi. C'est triste là-dedans. Faut trouver d'autres graines. C'est un long voyage qui nous attend. Ces tombeaux anciens n'auraient pas tenu tout ce temps s'ils avaient été faciles à trouver. Je suis prêt à relever le défi. Je vois ça, oui. Je suis ravi que tu crois en ce qu'on cherche à accomplir. J'y ai toujours cru. Depuis que je suis novice, je crois en la Force. Ces noms sur la liste, c'est une épreuve. Et je pense être à la hauteur. J'apprécie ton assurance. Une mission comme celle-ci peut te pousser dans tes derniers retranchements. Oui, je comprends. Je me sens prêt. Nous serons là pour toi, Cal. Défaillance des scanners. Tentez de dévier les attaques. Humains sans intérêt. Vous ne pouvez pas fuir. Je me sens faible, Lady.
Il est mort. Je vais le défendre. Allez, il faut exister. Attention à pas être le prochain. Il est touché. Serré, un vaisseau de transport quitte la base de l'Empire. Je sais. Il transporte des artefacts Zepho sur Coruscant. Ça veut dire que... Que l'Empereur s'intéresse aux Zepho? Peut-être. C'est verrouillé. T'en penses quoi? Tu t'amuses bien, BD? Tu peux le faire, BD. Ne vous occupez pas d'un artefact manquant. Je m'en chargerai moi-même. Je préfère paix. Vous avez vu ça? Que quelqu'un prenne le relais. Au secours. Pitié, aidez-moi. Menace en vue. Content que tu sois là, BD. Tu connais des blagues, BD? Je sais pas. Pourquoi? Classique.
Il doit bien y avoir des informations sur les fouilles à l'intérieur. Tu es toujours aussi optimiste. Merci, BD. Tu trouves toujours des trucs ? Voyons ce qu'il y a derrière. Pile ce qu'il nous faut. Aidez-moi à le battre.
ça? Là, regardez. C'est entendu. On va t'anéantir. Chargez à ce pas. Regardez où vous visez. J'attaque l'ennemi. Compris. Vite, attrapez-le. L'approche. Abattez-le. Je vais te battre, Jedi. Débarque. C'est possible, mais on est loin de Braca. Ils pensent peut-être que les Purge Troopers suffiront. Ou alors il s'agit d'un piège. Reste sur tes gardes. Aucun signe du tombeau? Non, et l'Empire a renforcé la sécurité. Reste concentré. Fais attention à lui, Dédé. D'accord, on continue. Hey, Grise, t'es occupé? J'ai essayé de regarder. Rien de spécial, non. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je me trouve devant les épaves de deux vaisseaux. Apparemment, t'es pas le seul pilote à avoir souffert du vent. Oh, ça te surprend vraiment? T'es long à la détente. Personne s'en sortirait mieux que moi, tu sais. Ouais, ok. En fait, je voulais juste te remercier. Écoute, tu sais, y a pas de quoi, petit gars, mais je dois vraiment filer. J'ai un truc que je dois... A plus. Un droïde sonde. Il nous surveille, BD.
Je te revaudrai ça. J'ai compris, BD. Fais-moi voir. Alerte rouge! Alerte rouge! C'est un sabre laser qui a tué le commandant. C'était génial, BD. On se rapproche. J'ai remarqué ça tout à l'heure, une sensation bizarre dans mon ventre. Au début, j'ai cru que c'était la cuisine de Grise. Maintenant, ça s'intensifie. Je crois que plus on approche et plus je me sens mal. Ça ne me dit rien qui vaille. Au travail, BD. Tyrolienne, ça te tente? Ce moteur devrait faire l'affaire. Qu'est-ce que ça donne? On doit pouvoir atteindre le tombeau. Allez, BD.
En avant, Mehdi. Mehdi, tu penses pouvoir charger ça ? A laissé ses outils. Il avait espéré trouver les reliques, mais il se souciait peu de l'aspect historique. Par ici, BD.
Les hommes vont redoubler d'efforts. On y arrivera, officier Crane. Kestis, comme c'est prévisible. Ah oui, je connais ton nom, ton passé, mais je connais surtout un certain Enno Cordova. Dis-moi, où a-t-il caché cet holocron? Incroyable. Tu ne pourras pas tout nous fuir. Ce n'était rien. Dédé, ici! C'est trop facile. Je t'attends. Tu es à la traîne. Tu auras été un échec jusqu'au bout. Pas de taille. J'ai enduré bien plus que ça. Très bien. Tu n'esquiveras pas la suivante. Thank you.
trop tard. Tu es ridicule. Pas assez rapide. J'ai enduré bien pire que ça. Je te détruirai. Tu auras été un échec jusqu'au bout. Hé, m'aider. Arrête de bouger. Doué que l'ancien apprenti de Serré, mais pas mal cependant. Quoi, t'as pris des notes? Étonnant qu'elle ne t'ait rien dit. Serré n'a jamais su garder un secret. Et tu la connais si bien que ça, hein? Elle était faible. Elle a craqué sous la torture impériale et révélé la cachette de sa jeune padawan. Il ne m'aurait jamais trouvé. Si elle n'avait rien dit, elle m'a abandonnée. Tu es Trilla. En chair et en os. Je ne te laisserai pas me manipuler. Tu es bien sûr de toi. Quand elle a été confrontée au choix de sauver sa vie ou sa padawan, elle a fait preuve d'égoïsme. Elle te trahira aussi un jour. Eh bien, je sais me débrouiller tout seul. Tu as vraiment envie de t'y risquer ? Ton nouveau maître a une part d'ombre en elle. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a découvert ce qu'ils avaient fait de moi. Elle a sombré et dévoilé à tous sa vraie nature. Elle a été puisée dans le côté obscur. Elle a coupé ses liens avec la Force. Oh ! Combien de temps lui faudra-t-il avant de te trahir ? Est-ce que tu veux vraiment être avec elle quand tu trouveras l'Holocron ? Qu'en penserait Jaro Tapal? Tu n'as pas le droit de prononcer son nom. Je me demande, que dirait-il s'il pouvait voir son padawan aujourd'hui, rôdant dans les ténèbres aux côtés de cette traîtresse, lui donnant accès à une légion entière de pauvres disciples dociles. Je ne laisserai personne les toucher. Je disais la même chose avant. Ça se passe pas trop mal, hein? Merci pour le coup de main, BD. Tu m'as sauvé la vie. Et tu nous as rapprochés du tombeau. On l'a trouvé. Il a l'air différent de l'autre tombeau. J'en sais rien. Mais ça me plaît pas. Je l'ai trouvé. Mais serré.
Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que c'est une menteuse. Toi? Comment? J'ai détourné vos communications dès l'instant où tu as essayé. De la contacter. Le piratage de transmission codée a toujours été un de ses passe-temps préférés. Elle m'a montré comment faire. Il n'y a pas une seule technique de série que je n'ai pas perfectionnée. J'aime pas trop la de ce matin.